Salut Julien. Salut! Qu'est-ce que tu es en train de peindre? Alors là, en fait, c'est une commande qui vient de ma galeriste de Marseille, la galerie L'Appartement. C'est pour un monsieur, en fait, un collectionneur qui a déjà des toiles de moi. Et en fait, c'est pour un de ses amis. Et ils se sont mis à deux pour lui offrir. Et du coup, moi, le sujet m'a inspiré vachement parce que cette amitié, bah, ça me rappelle, moi, j'ai deux meilleurs amis, on est tout ensemble. Et du coup, c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment nous, quoi. Du coup, en fait, il m'a juste parlé un petit peu de leur amitié. Moi, je l'ai fait à ma sauce après. D'accord. Et comment t'as commencé ta carrière? La peinture, ben, disons pour moi, bon, la vraie peinture, j'ai commencé en 2011. C'est-à-dire, j'ai commencé par la peinture sur mur plus jeune, vers l'âge de 15-16 ans. Mais bon, ce n'était pas un truc qui me correspondait vraiment. Mais vraiment, en 2011, en fait, je voulais être tatoueur. Et j'ai essayé, pour m'entraîner au dessin, de dessiner une sculpture. Et en fait, à un moment, je me suis trompé, j'ai barré la feuille. Et en barrant la feuille, ça m'a donné une forme géométrique qui vraiment me parlait, quoi. Et en fait, j'ai commencé à en faire une deuxième, troisième. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me donnait un personnage. Et j'ai jamais arrêté. Après, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis. Je suis parti à Los Angeles 3 mois. Là-bas, j'ai réussi à trouver une expo. Donc, j'ai peint dans le garage de là où j'étais. J'avais rien, ni toile, ni peinture. En fait, j'avais. Et j'ai préparé ma première expo comme ça. Après, j'avais passé un concours pour exposer sur New York et du coup, je suis parti sur New York. Et quand je suis rentré, du coup, c'est la galerie L'Appartement qui m'a fait exposer ici. Et voilà quoi. Génial, un beau parcours. Et comment tu choisis tes sujets? Mes sujets, en fait, c'est. En fait, je dénonce ce qui me choque au quotidien, quoi. C'est-à-dire que je peins beaucoup de couples. Parce que bon, j'ai moi-même été affecté par des divorces. Et du coup, en fait, dans mes toiles, j'essaie de. En fait, elles sont figées. C'est-à-dire que bon, mes couples, ils ne pourront ni se séparer. Quand je crée des amis, ils ne pourront pas se trahir. C'est vraiment, j'essaie d'immortaliser un moment sain et qui montre avec tout ce qu'on voit que oui, c'est encore possible. Et enfin, en tout cas, c'est mes valeurs, quoi. Du coup, moi, c'est vraiment ça. Je peins l'inverse de ce que je vois en fait, tout simplement. Parce que j'en ai besoin et je pense qu'on a tous besoin pour se rappeler qu'il y a autre chose qui existe, quoi. Parce qu'on voit cette génération et les télé-réalités, les conneries comme ça. Enfin, je m'y retrouve pas du tout en fait. Donc du coup, au lieu d'essayer de comprendre ce monde que franchement j'ai jamais compris et je comprendrai toujours pas, tu vois, ben, je me suis dit je vais créer le mien, quoi. Et en fait, c'est mon truc à moi, c'est mes valeurs, c'est tout ce que je connais et c'est. C'est la vie en fait, comme moi je l'imagine. Et voilà quoi, hein. C'est mon truc. Ben merci alors. Merci.